Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectives. Beaucoup de gens m'ont posé la question concernant Tonton Lapin, le petit frère de Aliya, ex-femme de Kofi Olomide. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui attendent la vidéo ici, surtout concernant ce qui se passe entre la famille de l'ex-femme de Kofi Olomide, Madame Aliya, et Kofi Olomide avec sa famille de l'autre part. Nous avons d'abord une nouvelle, je pense que c'est ce qui embrouille beaucoup de gens. Une bonne nouvelle qui part de Kofi Olomide aux États-Unis, il y a presque 2 semaines, il s'est tapé une maison vraiment de 5 millions de dollars américains. 5 millions de dollars américains. Depuis les jours où Kofi Olomide s'est tapé la maison aux États-Unis, on a commencé à écouter le murmure dans la famille des ex-femmes de Kofi Olomide qu'on appelle Aliya. Maintenant, comme moi je fais les analyses, écoutez s'il vous plaît, moi je fais les analyses. Je peux me tromper, mais ce sont les analyses qui seront vraiment au moins 90% justes. Comme Maman Aliya et son frère, avec la complicité de Diddy Storm, sa fille, ils avaient dit, il faut prouver à Kofi Olomide que, ils sont vraiment, c'est eux les Européens. Ils avaient dit qu'il faut prouver, ils vont montrer à Kofi Olomide que c'est eux là, c'est eux qui décident. Il y a d'autres personnes qui ont dit, elles ont cherché selon les réseaux sociaux, elles ont cherché des personnes pour aller fomenter encore des histoires de femmes contre Kofi Olomide. Il y a le monsieur ici, tonton de tonton qu'on appelle Lapin, tonton de tonton Lapin, qui a un problème judiciaire en France, où il doit, je sais pas, verser une somme de 26 000 euros, soit 26 000 dollars. Alors, il a fait recours à Kofi Olomide pour que Kofi Olomide puisse lui donner l'argent là. Mais lui, tout en ignorant que Kofi Olomide et Aliya, il y a un divorce, on dit le divorce, ouais. Il y a un divorce qui date longtemps, ils se sont séparés. Maintenant, le monsieur ici, affaire des danseuses, selon lesquels il veut poursuivre, soit disant, il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de ce monsieur-là, Lapin, et Kofi Olomide, que je ne vais pas vraiment entrer en détail. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça se résume à une chose. Monsieur Lapin, je ne sais pas si c'est Clépin ou bien Lapin, tonton de tonton qu'on appelle Lapin, son vrai nom c'est Lapin ou bien Clépin, quelque chose comme ça. Le monsieur-là, avec sa sœur, selon ce que j'écoute, il paraîtrait sur les réseaux sociaux que mais le monsieur-là et sa sœur Aliya, ils ont appris l'achat d'une maison de 5 millions. Encore comme on sait que Kofi Olomide est marié à Cindy Lecaire. Ces gens-là sont. Donc, Aliya est jalouse de voir que Kofi Olomide l'avait seulement acheté la maison en Europe, mais Kofi Olomide a acheté une maison à Cindy Lecaire en Europe et aux États-Unis. Encore une maison de 5 millions de dollars. C'est là où les choses vont en désordre dans la famille des ex de Kofi Olomide qu'on appelle Aliya. Ils veulent récupérer une somme. Ils veulent récupérer l'argent à Kofi Olomide. C'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Ils veulent récupérer l'argent. Ils ont besoin de l'argent. Le monsieur ici, Lapin, ne travaille pas. Monsieur Lapin ne travaille pas. Il vit derrière Diddy Storm, derrière Aliya. Maintenant, comme ils ont vu que Kofi Olomide, il s'est tapé une maison de 5 millions, c'est que Kofi Olomide a plus d'argent, a plus que 5 millions. Ça fait sens, ça fait du sens. La dernière chemise qu'on a vu Kofi danser avec une chemise qui avait la couleur jaune, je sais pas, en Nairobi, la chemise là coûte 4 000 dollars. Alors, quand Kofi s'habille à 4 000 dollars, il achète une maison à 5 millions de dollars. Mais c'est Clépin,
l'ex-beau-frère de Kofi Olomide, comme il a des crédits, c'est un monsieur qui ne travaille pas, il commence maintenant à solliciter par force l'assistance de Kofi Olomide. Malheureusement, pendant qu'il a envoyé à Kofi Olomide des messages d'aide, messages de secours, M. Kofi Olomide, comme il est également dans les stages de nouveaux mariés, il est en train de jouir son amour frais de Cindy Lequer. Il n'a pas le temps d'ouvrir les messages de n'importe qui. Alors le monsieur, si comme le jour approche d'aller en justice, le monsieur commence à trembler, il n'a pas l'argent, Kofi n'a pas encore ouvert les messages, il ne sait pas comment il va se ressaisir, il va se retenir devant le tribunal. Aliya, tout en pensant que elle, moi personnellement, maintenant, je pensais que Aliya pourrait aider M. Lapin. Il pourrait l'aider puisque c'est son petit frère. Il est dans les besoins. Mais tout en disant que c'est vous qui disiez ici que Aliya, elle a déjà trouvé un autre mari. Vous avez dit cela. Est-ce que le mari là n'est pas capable de t'aider avec 26 000 euros? Vous avez dit qu'il est riche, c'est un grand homme. Moi, je vous ai dit ceci. Ne pensez pas que ce n'est pas parce que tu es jaune, tu es brune, tu as un teint clair que tout le monde va t'aimer. Ce n'est pas comme ça. Quand vous regardez la main d'Aliya ici, là, ça joue comme ça. Hein? Elle n'est pas jeune. C'est une femme déjà qui peut avouer, qui peut être, je peux me tromper, elle peut être au-delà de 50 ans. À l'âge de 50 ans, une femme claire, souvent, les rides arrivent vite par rapport à une femme noire. Donc la dame là, quand on la voit sur les réseaux sociaux, selon moi, c'est forcément des maquillages, mais si elle a levé le maquillage là, elle sera comment? Et maintenant, la façon dont elle peut être, trouver un monsieur qui voit les femmes de 20 à 25 ans, partout, avec les seins qui sont encore durs là. C'est Aliya qu'on va aller prendre. Diddy Stone est célibataire. C'est elle, elle manque même un homme qui a l'argent. C'est sa maman qui va trouver un homme de... vous blaguez avec les gens. Hein? Je vous dis, il y a beaucoup d'hommes aussi dans le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui peuvent venir seulement jouer, manger et puis partir. Si vous pensez que ces gens-là vont venir et rester, vous risquez de vous tromper, puisque un ex de Kofi, tout le monde va vouloir essayer comment ça y est. Après avoir essayé, on va couper et décaler. Pour couper et rester, il faut... Je ne sais pas qui pourra faire cela. Puisque les vieux là, les vieux loups qu'on voit, puisque quelqu'un va sortir avec Aliya, ça doit être un vieux, qui doit être au-delà de 55 ans. Le monsieur de 55 ans, il a besoin d'une voiture neuve. Une voiture neuve. Aujourd'hui, là, quand partout on marche, là, il y a beaucoup de voitures neuves. Hein? Que ce soit Mazda, il y a neuve. Voiture neuve. Renault, il y a voiture neuve. Peugeot, il y a voiture neuve. Land Rover, il y a voiture neuve. Toyota, il y a voiture neuve. Maintenant, tu vas aller avec une voiture là de 1940 pendant qu'il y a voiture de 2024. Regardez. Vous savez de quoi je parle. Alors, c'est pour cela que monsieur, quand on retourne dans l'histoire ici, monsieur Lapin ici, il espérait que si sa sœur trouvait un mari, il va soutirer l'argent à ce mari-là. Malheureusement que les gens qui sont venus essayer la voiture, peut-être la voiture n'a pas les vis breakées déjà cassées, les ressorts ne sont pas, les amortisseurs ne sont pas encore bipés, peut-être la chaise, soit les démarreurs ne marchent pas bien. Donc une voiture qui n'est pas nouvelle, on ne peut pas la comparer avec une voiture nouvelle. Donc il y a un monsieur qui voulait peut-être acheter la voiture et a senti que la voiture n'était pas vraiment au niveau de l'argent. Maintenant le temps court, le temps n'est pas aux côtés de monsieur Calepin. Et je ne sais pas l'appeler, le nom m'échappe. Alors, à ce temps-là, le monsieur, il est frustré. Il commence à chercher de l'aide partout. Il a cherché les frères de Kofi Olomide à 20. Les sœurs de Kofi Olomide à 20. Cindy Lequer à 20. Alors, il s'est voué
à des maçons, je pense. Il a commencé à créer des histoires. Il va accuser Koffi Olomide. Il avait fait ceci. Il avait fait cela. Mais à ce que moi je sache, Koffi avait chanté. Il nous a sorti une chanson il y a à peu près un ou deux ans. Il a dit acquitté. Koffi a été acquitté. Quand on est acquitté, donc il a, les choses sont closes. Closes. Quand on est acquitté, le dossier est fermé. Tout ce que vous allez amener, ça peut vous amener à prison, mais c'est qu'à la paix, ceux qui la paix, ceux qui la paix. Ça peut vous amener à prison, puisque tu seras quelqu'un qui a participé aux maçons, tu as menti l'État, tu as menti le gouvernement, tu as menti le juge. Regardez ton sort. Mais pour moi, à ce que je sache, attaquer analyste, mon frère la paix, petit frère de Alia, le tonton de Didi Stone. Didi Stone est trop belle. Elle a des contrats par-ci, par-là. Ta sœur, là, même si c'est le corps commence à vieillir, là, et peut avoir dans un compte quelque chose qu'un jour que Koffi a laissé. Demande de l'aide à ces gens-là. Ces gens-là t'ont conduit en erreur. Au lieu d'être mature comme tu étais censé d'être oncle, tu t'es mélangé avec les aventures de ta sœur et de ta nièce. Aujourd'hui, tu es où? Aujourd'hui, tu es où, mon frère? Le petit conseil que je te donne est de respecter les gens qui ont vécu. Koffi, c'est une légende. Koffi, c'est notre héros de la musique. Il ne faut pas salir les noms de la personnalité de Koffi Olomide. Je sais que tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des difficultés. Si tu as besoin de l'aide, on ne demande pas l'aide avec grimace. On ne demande pas de l'aide avec brutalité. Aie un cœur de douceur. Avoir un cœur de simplicité. Viens auprès de Kazadi. Viens auprès de Marifa. Plie-toi, Genita. Avec un cœur douceur, si tu as besoin de l'aide, ces gens-là peuvent t'aider. Mais si tu fais des attaques inutiles sur les réseaux sociaux, c'est nous qui allons faire des analyses. C'est nous qui vraiment allons prendre les problèmes. C'est comme si tu n'as pas respecté la famille de Koffi Olomide. Tu n'étais pas. Comment tu vas appeler, tu vas avoir les messages pendant que tu connais la porte. Tu es le beau-frère. Tu dois aller parler. Au lieu de parler, tu as jugé bon d'amener tes problèmes sur les réseaux sociaux. C'est là où tout est gâté. Moi, c'est Gilmas. Je vous aime beaucoup. Je sais que vous aviez aimé le contenu. Vous aviez aimé mon analyse, soit la vidéo ici. Si vraiment vous aviez aimé les vidéos, n'oubliez pas de laisser un j'aime. N'oubliez pas de commenter, soit des commentaires, surtout pas des insultes, s'il vous plaît. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous avec toute simplicité. Abonnez-vous massivement, vous qui m'écoutez à cette heure-ci, à la chaîne ici, la chaîne des vérités, la chaîne des analyses organiques. C'est toujours moi, votre frère, qui vous aime trop. Gilmas, à la prochaine et ciao.